un mot qui brûle en moi comme une flamme. Le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. La grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Maintenant, nous sommes devant un grand problème. On attend le prêtre. Et il n'y a personne de sûr qui va conduire le prêtre jusqu'ici. Et moi, je viens dans le diocèse de... dans la paroisse doyenne de Tchang, catéchiste. Je peux bien le faire, même célébrer une parole à l'ensemble du prêtre. Mais l'Église catholique n'accepte pas. Ce que nous allons faire, je suis membre de la famille, maman Elisabeth et ma maman. Et on dit, quand on est là, où on a envoyé les honoraires, où on a même donné le carburant, où, et nous savons, rien que le père de la famille, de la grande famille qui est au milieu de nous, c'est un grand chrétien. Nous allons prier comme on est en train de le faire. On va donner les témoignages. Et le soir, on ira voir le prêtre. Il va dire la messe. Mettons-nous maintenant tous debout. Tous debout. Autour de la maman, je suis orpheline. Et là où il n'y a pas de prêtre, on a déjà tout fait pour la maman. Le trajet que nous descendons de là, voici la troisième station, non hein? Troisième station. À cause de la charité d'une maman. C'est nous qui voyons que c'est le tapis rouge entre les là. Son tapis rouge, c'est le ciel. Que chacun ne se dérange même pas. On voudrait même que ça soit ainsi. Parce qu'il y a d'autres qu'on embellit, embellit, embellit.
Donc si chacun veut s'unir à cette maman, à cette famille durement éprouvée, hier c'était maman Martine, aujourd'hui c'est la maman et la même famille. Je voudrais qu'on s'unit à cette prière pour dire accueille ta fille. C'est la seule chose qu'on demande à Dieu. Même moi j'ai fait Lourdes, j'ai fait un chemin de bois, pour les routes goudronnées et tout, la pente. Quand je suis rentré en Allemagne, j'ai fait 2 semaines sans sortir. Donc nous ne voyons pas le chemin-ci. Ça s'unit à la souffrance de la maman-ci. Parce qu'elle était couchée, abandonnée à elle seule et tout. Je veux, si elle voulait, on a célébré dans les villes, à Banjoba, partout. On a voulu que ça soit le lieu-ci. Mais moi je dis merci. Il faut que la bénédiction vienne jusqu'ici. Si Dieu veut, un de ses fils, même petit-fils, pourra rendre le lieu-ci en un lieu de pèlerinage. Chez les Blancs, on ne cherche pas les endroits de luxe comme nous voulons là. On marche à certains endroits qu'on ne peut même pas entraîner. On marche sur les fils là et on fait parachuter les personnes là-bas. Même le soleil-ci, que ça nous brûle même bien. Parce qu'elle a souffert. Il y a même des personnes qui n'ont même pas rendu visite à la maman. Il y a même des personnes qui n'ont même pas partagé cette souffrance-là. Je dis merci. Moi, je viens de balayer une poussière dans une maison où, moi, j'ai dit, pas dans la poussière. J'ai balayé, arrosé. Dieu dit, tu vas encore marcher. On est encore là. Pour moi, regardez ça, les bouquets de fleurs. La maman était gentille. Hein? Regardez notre père, il est là, debout sous le soleil. Alors qu'il a été les endroits où, quand il sort, on le couvre. On, je veux le soleil ici, même si ça veut que ça soit la pluie. La personne qui peut s'asseoir. En Consamba, une fois, quand on enterrait Monseigneur Domo, on était sous les tentes et tout. Quand les gens n'avaient plus de place, quelqu'un a pris une parole déjà exaucée. Il dit, pourquoi vous cherchez les plats d'honneur? N'est-ce pas, quand on part au deuil, on s'assoit par terre. Le hangar a fait prarara. Tout le monde avait mis les fesses par terre. Donc voilà la vraie inculturation. Les Africains, quand on va au deuil, on met les fesses par terre. Il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de tout. Pour dire aux personnes qui sont en train de faire leur cœur comme ça et laisser l'essentiel là. Jésus a souffert. Regardez un peu sa souffrance. Il a voulu que nous associons la souffrance à celle de la maman. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, ô Christ, prends pitié. Christ, Seigneur, prends pitié. Seigneur, ô Christ, prends pitié. Christ, ton nom, le Gloria. Pour la grande famille éprouvée et particulièrement pour la progéniture de la défunte, nous implorons le Seigneur de leur apporter le réconfort et la grâce de la réconciliation et de l'unité. Ensemble, supplions le Père. En cette veille de la célébration du Sacré-Cœur de Jésus, symbole suprême de l'amour de Dieu pour son pays, nous prions le Seigneur d'accorder à toutes les personnes consacrées la grâce du sacrifice pour le salut des âmes. Ensemble, supplions le Seigneur. Vierge Marie, refuge des pécheurs. Vierge Marie, Seigneur, Vierge Marie, la tête est en train de se faire.
Donc, vous montez. T'as instant. Avancez. Je
Vai, vai, vai.